Voici quelques exemples de factoriels. 3 factoriels, ça s'écrit 3 fois 2 fois 1. On commence par le nombre qu'on a et on diminue toujours de 1 à chaque étape. Donc ceci donne 6. Un autre exemple, 4 factoriels. On commence par écrire 4 et on fait fois et on diminue toujours de 1. Fois 3, fois 2, fois 1. Ce qui va donner 24. On pourrait aussi écrire 1 factoriel. D'après ce qu'on a fait, 1 factoriel, ce serait seulement 1. Et on définit aussi le 0 factoriel comme étant 1. Alors, je vous laisse deviner 6 factoriels. Ce serait bien sûr 6 fois, on enlève 1, on arrive à 5, et on continue. Toujours 1 de moins. Ce qui donne 720. On pourrait réécrire 6 factoriel comme étant 6 fois, si on regarde tout ce qui nous reste, 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, bien ça correspond à 5 factoriel. Alors 6 factoriel, c'est 6 fois 5 factoriels. Je réécris ici 6 factoriels. On pourrait présenter le 6 factoriel comme étant 6 fois 5 et ensuite prendre tout le reste. On voit ici que ceci s'écrit 4 factoriels. Alors, 6 factoriel, c'est 6 fois 5 fois 4 factoriel. On va voir maintenant un exemple de simplification d'une fraction qui comporte des factoriels. On va écrire la fraction 6 factoriel sur 4 factoriel. C'est bien sûr qu'on pourrait écrire 6 factoriel selon la définition. 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur 4 factoriel qui est 4 fois 3 fois 2 fois 1 et ensuite procéder à des simplifications pour obtenir ensuite la réponse. 6 fois 5, donc 30. Mais c'est un processus qui peut être assez long si les nombres en présence sont plus élevés. Alors, on va procéder différemment. Je vais réécrire la fraction avec ce qu'on a écrit tout à l'heure. Alors, le truc consiste à repérer le plus grand des deux nombres et de travailler ce plus grand nombre-là. Tandis que le plus petit, ici c'est 4, hein, 4 factoriel, lui on va le laisser comme il est. Donc, je vais effacer ceci et laisser 4 factoriel. Le plus grand nombre, c'est 6. Celui-là, on va le travailler. Donc, on remarque qu'il est égal à 6 fois 5 fois, comme on a dit tantôt, on voit apparaître 4 factoriel ici. Alors, ce 4 factoriel-là, il va être simplifié avec le 4 factoriel du dénominateur pour nous donner la réponse qui va être 30 ici. Alors, le processus simplifié, c'est celui-ci. On écrit le plus grand nombre, qui est 6 factoriel.
on l'écrit comme étant 6 fois 5, et dès qu'on arrive au nombre du dénominateur, on l'écrit et on marque factoriel. C'est par la suite qu'on peut procéder à la simplification des factoriels pour obtenir notre réponse. Alors voici un petit exercice pour vous. Il s'agit de simplifier 18 factoriels sur 20 factoriels. Vous pouvez faire pause et faire l'exercice. Alors, le truc consiste à repérer le plus petit des deux nombres. Le plus petit, c'est 18 factoriels. Et ce nombre-là, on le laisse comme il est, 18 factoriels. Le plus grand des deux nombres, qui est 20, lui, on l'écrit, on le développe, on dit c'est 20 fois, on enlève 1, on est à 19. On enlève 1, on arrive à 18, qui est le même nombre qu'on observe en haut. Donc on écrit fois 18 factoriel. Et on peut ensuite procéder à la simplification pour obtenir la réponse 1 sur 20 fois 19 qui donne 380. Voici quelques remarques pour les factoriels. On a ici la fonction n factoriel. Alors, cette fonction est définie seulement pour les valeurs de n donc, qui appartiennent au naturel. Les naturels, on sait que ce sont les nombres 0, 1, 2, 3, etc. Ce qui veut donc dire que on ne pourrait jamais avoir f de, par exemple, 5 et 2 tiers. F de 5 et 2 tiers, si on voulait écrire ça, 5 et 2 tiers factoriel, ça, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Maintenant, si on regarde la représentation graphique de la fonction n factorielle, puisqu'elle est définie pour des valeurs n qui sont des nombres naturels, 1, 2, 3, 4, on pourrait aussi avoir 0. On a vu que 0 factoriel donnait 1 aussi. Donc, cette fonction-là se représente par des points uniquement. Alors, c'est certain qu'on ne pourra pas effectuer la dérivée de cette fonction-là. On peut effectuer la dérivée d'une fonction qui est définie pour des x réels. Mais on ne peut pas effectuer une dérivée pour une fonction qui est définie pour des x qui sont des nombres naturels, comme c'est le cas ici, puisque la dérivée est la pente d'une tangente en un point. Alors ici, on ne peut pas calculer de pente de tangente en un point. On a vu tantôt comment effectuer des simplifications de fractions qui comportaient des factoriels de nombres. On va effectuer ici le même travail de simplification, mais avec des expressions algébriques, factorielles. On a dit tantôt qu'on repérait le nombre le plus petit. Ici, c'est 3n-1. Factoriel qui est plus petit que 3n plus 2. On réécrit le 3n moins 1 factoriel. Et le nombre le plus grand, le 3n plus 2 factoriel, celui-là, on le travaille. On l'exprime selon la définition des factoriels. On commence avec 3n plus 2 fois, on lui enlève 1, ce qui donne 3n plus 1. Fois, on lui enlève encore 1, on arrive à 3n. Fois, on lui enlève encore 1, on arrive à 3n moins 1, qui est l'expression au dénominateur. Alors, le 3n moins 1, on lui met factoriel. Et on peut maintenant effectuer la simplification.
pour obtenir la réponse qui est tout ceci. Voici un exercice pour vous. Il s'agit de simplifier cette fraction. Faites pause et tentez cet exercice. C'est égal à, on repère le plus petit des deux nombres. Le plus petit, c'est 3n-2. On le réécrit comme il est. Et le plus grand, 3n plus 1 factoriel, on l'écrit selon la définition des factoriels. On lui enlève 1, on arrive à 3n. On lui enlève encore 1, 3n moins 1. On enlève encore 1. Et on arrive exactement à l'expression au numérateur. Alors on lui met factoriel. On procède à la simplification pour obtenir la réponse.